raisin d'avril n'entre pas dans le baril. Stéphane, en fait, on ne parle pas de raisin aujourd'hui, pas de vin, mais de bière. Un noix et houblon, je ne maîtrise pas, tu vois. Ce que je sais, c'est que si ton grain s'est formé en avril, il est vulnérable, il pleut gelé, et donc il n'ira pas dans les tonneaux. Et il est bien possible que ça arrive, parce que moi, j'ai chaud, mais vraiment chaud. Et pourtant, on ne fait que commencer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Terre fertile des idées. Nous avons tout autour de nous. Encore faut-il savoir observer. Nous sommes là pour vous aider à ouvrir les yeux. Sommaire. Franck Grossel est un magicien. Il transforme la drèche, matière résiduelle de la fabrication de la bière, en mobilier design. Comment isoler les maisons sans épuiser les ressources de la planète? Les plantes ont plus d'une solution à proposer. Dans les Landes, près du château de Gaujac, une grande marque de cosmétiques conduit une expérience nourrie de connaissances, respectueuse de l'environnement, c'est la ferme aux camélias. Sans attendre, retrouvons Stéphane. Il s'impatiente et Dodeline de la tête marque le tempo, s'invente une musique qu'il n'entend pas, trépigne et finit par traverser le passage piéton pour se rendre dans un immeuble tout nouveau, tout beau, où l'attendent Laura et Axel dans leur drôle de jardin. Bonjour Laura. Bonjour Stéphane. Ça va? Ouais, ça va super. Oui, jardin. C'est par là. Je pose ça là. Ouais, ouais. Bonjour Axel. Bonjour Stéphane. Ça va? Super. Et toi? Bah oui, ça va. Ah, dites-moi, il y a longtemps que vous êtes là? Alors, on a emménagé il y a un an et demi. Ok. Plein hiver, donc on s'est pas trop occupé du jardin. On était focalisés sur la maison. Normal. Et voilà, on a essayé un petit peu de végétaliser tout ça l'été dernier. Mais voilà, on a essayé de cacher un peu la butte, la bâche, en vain, puisqu'on la voit toujours autant. En même temps, c'est atypique et c'est plutôt intéressant. Oui. On sent vraiment ici qu'il y a de l'humidité au rez-de-jardin. Et là, il y a du romarin, donc ça veut dire que c'est mieux drainé. Et puis, ce qui est la particularité, c'est que vous avez une sorte de... On a un duplex. Voilà, un duplex. Au-dessus, une terrasse où je pense qu'il doit être agréable de prendre le soleil le midi. Oui, super pour les déjeuners. Et puis, une porte. Une porte mystérieuse. Mystérieuse. Très mystérieuse. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez ici ou qu'est-ce que vous n'aimeriez plus? On aimerait cacher, on aimerait tout végétaliser, que ce soit un vrai espace comme le jardin qui descend dans la maison. En fait. D'accord. Bon, on fait disparaître la bâche, on met génial. Des plantes à la place. Super. Et quel type de végétaux, dans quel esprit? Bah, esprit hyper nature, champêtre, des plantes qui soient faciles aussi à entretenir parce qu'on n'est pas non plus à jardiner tous les week-ends. D'accord, d'autant plus qu'il y a un petit qui va arriver et vous allez être très 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 ouais, pris ouais, dans les mois à venir. Bon, plus de végétaux, une porte qui disparaît et un endroit agréable à vivre. Apparition, disparition, vive la vie, que vive la magie d'un dessin. Donc en haut, on va commencer par planter des arbustes, ouais. De manière à créer une sorte de barrière entre cette terrasse et la pente. D'accord. Ce sera rassurant visuellement, ce sera peut-être même rassurant physiquement lorsque le petit courra partout. Et puis ce sera plus joli aussi, parce ouais. qu'on verra moins le mur gris qui est derrière. Ouais, donc là, il va y avoir, parce que tu aimes les choses qui viennent du sud, il va y avoir des choses comme pistachier. Génial. Vous avez un peu mélangé comme ça des essences tout à fait adaptées et des choses un peu plus méditerranéennes. D'accord. Génial. Il y a un tout petit camélia qui va devenir grand. Génial. Parce que voilà, toi tu veux des choses du sud et toi tu veux des choses qui fleurissent. Okay. Voilà. Je vais te planter un banksia. Ouais. Un rosier banksia. Tu pourras éventuellement le faire courir sur la galivelle. Wow. Et puis qui ensuite pourra redescendre éventuellement entre les plantes qu'on aura installées. Ça va être super, ça. Oui, ça va être bien, ça. Alors, dans la descente, on a installé des arbustes, des arbrisseaux même, qui ponctuent cette pente. Okay. Et puis, ça va tenir un peu le sol, quoi. C'est important, ça. Mais oui. Pour le côté sauvage, j'ai envie de quelques genêts. Ouais. Parce que ça sent super bon. Ça fleurit à cette saison. Et... Combien de temps Bon, ça fleurit 3 semaines. Ah ouais. Voilà. En bas. Ouais. Le romarin, il va super bien. Sauf que celui-là, il est amené à grandir. Ouais. Donc, on va en installer d'autres qui vont descendre. Voilà. D'accord, ouais. La pointe de rat, lui, il descend. Et on va ponctuer ça avec des lavandes. Ouais. Et parce qu'on a enlevé cette bâche, quand même, qui a un rôle, qui est de limiter l'érosion, il va falloir rajouter des plantes qui, elles, vont tenir le sol. Ouais. D'accord. Donc, les plus grandes, c'est les sarcococca.
Ça sent très très bon en janvier. Génial. Et puis des fougères avec un système racinaire qui lui aussi s'étale comme ça sous la terre et la tient. D'accord. Et puis d'autres couvre-sols encore, mais plus à plat. Donc là, la pièce maîtresse, ce sera un Magnolia grandiflora. Sauf que c'est un arbre. Donc il va falloir que vous appreniez à le tailler. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il soit palissé le long du mur. OK. Et au fond, devant cette porte, on va planter un photinia, monter sur tige et ensuite palisser. Ça fera une sorte de rideau qu'il faudra tailler de manière à ce qu'il ne vienne pas trop en avant, mais qu'il puisse prendre de la hauteur. D'accord. Voilà. Le photinia, il a l'avantage d'avoir des feuilles vertes, des feuilles rouges. Enfin, voilà. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Il y aura une bâche bien vilaine qui, ni une ni deux, disparaît, une petite haie très variée plantée juste au-dessus, un photinia pour masquer la porte mystérieuse, des plantes méditerranéennes, et 18 mois plus tard, un retour en fanfare et le mot de la fin. C'est une palette de couleurs qui a été composée, qui est vraiment top. La suite de notre pas de panique, c'est dans un instant. Et regardez, nous avons mis nos plus beaux habits d'apiculteurs pour accueillir Léopoldine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Léopoldine. Bonjour. Alors, tu as eu la gentillesse de venir jusqu'à nous avec une de tes ruches. Bien entendu, on a pris toutes les précautions pour accueillir ces abeilles en fonction de la météo, en fonction du transport. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler du fonctionnement de cette ruche. Mais d'abord, une question sur toi. C'est une reconversion et surtout, c'est une passion pour toi, les abeilles. Oui. Tout à fait. Moi, je suis à la base pas du tout adepte des petites abeilles. J'en avais plus peur qu'autre chose à la base. Et en fait, mon mari avait des ruches quand il était petit, de manière amateur. Et on a acheté une maison de campagne avec ma belle-sœur en Normandie, en Haute-Normandie. Et il a installé 2-3 ruches pour pouvoir faire notre miel. Et j'ai commencé petit à petit à aller avec eux dans les ruchers. Au début, tu étais à distance. Au début, j'avais trop peur. C'était impossible. Et j'avoue que je faisais pas forcément la différence entre une guêpe et une abeille. Avant. Ah. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, je vois l'importance des abeilles. Et c'est pour ça que j'ai monté ma structure. Alors, c'est vraiment une révélation. Effectivement, tu le dis, tu parraines en fait des abeilles. Ouais. C'est quoi le concept? Alors, donc, nous, on a installé une trentaine de ruches. Ouais. Et moi, je propose à des particuliers de parrainer des abeilles. Donc, en gros, ils parrainent 1/10 d'une ruche, ce qui correspond à 5000 abeilles environ. Et sur un an, ce parrainage, ils vont recevoir un petit livret apicole. Oui, qui est très bien fait. À chaque mois, tu expliques ce qui se passe dans la ruche. Ensuite, ils vont recevoir tous les mois des nouvelles de leurs abeilles. Et après, ils reçoivent bien sûr leur miel. Alors toi, tu as quelle abeille dans ta ruche? Moi, j'ai des Buckfast. C'est une espèce qui a été créée. Et en fait, c'est une espèce qui produit pas mal de miel, qui sont des bonnes travailleuses, on va dire. Mais elles ont besoin d'être très maternées. Elles sont moins autonomes qu'une espèce qui est un peu plus ancienne, qui est l'espèce noire. Et donc, c'est plus facile d'ouvrir à un public une ruche de bœuf qu'une ruche d'abeilles noires qui sont plus sauvages. Exactement, c'est ça. Donc, nous, on est aussi curieux. On va ouvrir cette ruche, ah alors. Bah oui, avec plaisir. C'est pour ça qu'on est équipés, quand même. Donc, il y a 10 cadres dans un corps de ruche. Ça, c'est une ruche d'Adam. Et généralement, le couvain, donc les œufs de la reine, ils sont au centre. Et sur les cadres de riz, vous avez le miel. Oui. Et après, du pollen, pour qu'elle puisse se nourrir. Dans chaque ruche, il y a une reine, forcément. Et la reine, vous allez voir, si on arrive à la voir, elle a un abdomen beaucoup plus long et beaucoup plus gros que l'abeille. Mmh. En jaune, c'est du pollen. Et là, vous voyez, il y a du liquide transparent. C'est du miel qui n'est pas encore assez sec, donc elles ne l'ont pas encore operculé. En fait, elle transforme le nectar des fleurs, oui, qu'elle se passe de bouche en bouche. Ah bon? Elle le met dans une alvéole. Oui. Il devient liquide comme ça, là. Elle ventile, mm-hmm, pour faire ressortir l'eau. Et dès que le miel est assez sec et a un taux d'humidité en dessous de 18%, ouais, là, elles operculent. Donc, elles operculent comme ça. Et oh là, ça veut dire qu'il est bon. Dites-vous bien que toutes ces alvéoles, c'est elles qui l'ont construit. Hein. Il n'y avait rien au départ. Bien, oui, sûr. Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est... Et sur une ruche, tu fais combien de pots de miel? Alors, en moyenne, une ruche, elle peut faire, on va dire, 20 kilos de miel par an. D'accord. Sachant que, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le corps de ruche, nous, on n'y touche pas. C'est leur miel. C'est leur stock, c'est pour l'hiver, c'est pour l'année, c'est à elles. D'accord. Nous, ce qu'on va toucher, c'est les rehausses.
c'est les étages qu'on va mettre au fur et à mesure. Au-dessus de ça. Exactement. Ouais. Donc là, on est sur le corps de ruche. Ouais. Et là, vous avez une réhausse qui est là. Là, il y a une réhausse sur celle-là, c'est ça. Et c'est des demi-cadres, et c'est ces cadres-là que nous, on récolte. D'accord. Et ça, on les rajoute au fur et à mesure ? Oui, exactement. À partir de quand ? Là, on vient de sortir de l'hiver, elles vont commencer tranquillement à sortir, à butiner. Et dès qu'on voit en fait que tous les cadres-là sont pleins, c'est qu'elles vont, elles vont vouloir continuer à travailler. Donc là, on va leur mettre une hausse. Et en dessous de la hausse, on met une grille à reine. Donc là, il n'y en a pas, mais là-bas, il y en a une, qui permet justement que la reine reste dans le corps de ruche et ne monte pas dans les réhausses. Comme ça, au moins, on ne peut pas lui faire de mal. Nous, on travaille comme ça. Maintenant, chaque apiculteur travaille différemment et chacun a sa pratique. Il y en a qui travaillent sans grille à reine, par exemple. Eh ben, c'est passionnant. Merci beaucoup, Léopoldine. De rien. On va découvrir un homme qui va t'intéresser. Il s'appelle Franck Grossel. Il est designer ébéniste et il utilise la drèche issue des brasseries pour en faire du mobilier. Et oui, la bière, lui, il aime la transformer en étonnant tabouret de bar. Je suis issu d'une formation en ébénisterie, j'ai ensuite étudié le design produit, je suis soucieux de l'environnement et accessoirement je suis amateur de bière. Et c'est dans le cadre de mon projet de fin d'études que, en travaillant sur la thématique du zéro déchet, j'ai croisé tous ces éléments pour en fait travailler sur la drèche de brasserie. La drèche de brasserie, c'est donc les céréales issues du brassage de la bière. C'est considéré comme le résidu de production du brasseur. Cette matière, elle est utilisée que 1 à 2 heures pour obtenir un jus sucré. Et une fois le jus sucré obtenu, le brasseur n'aura plus aucune utilité de cette partie solide. Avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert le terme sur Internet. Et quand je suis allé chercher les drèches chez mon brasseur, j'ai été tout de suite un petit peu interpellé par la matière. Je l'ai séché, j'ai un peu joué avec en l'expérimentant, en mélangeant avec différents types de colle, en faisant différents types de moulage. Et je me suis dit qu'il y avait un réel potentiel, à la fois écologique, mais aussi économique derrière. Working real hard. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable problématique parce qu'on recense plus de 2000 brasseries en France, alors qu'en 2006, il n'y en avait que 250 et principalement situées dans les milieux ruraux. Donc la filière de revalorisation était simple pour l'alimentation du bétail ou l'épandage ou autre. Mais aujourd'hui, les brasseries sont principalement situées en milieu urbain. Ce qui fait qu'en fait, la logistique n'est plus du tout la même. Les premiers produits qui ont été développés, c'est-à-dire le tabouret, l'horloge ou encore les dessous de verre, sont en fait presque que prétexte pour commencer. Parce qu'on peut tout refaire demain avec ce matériau. Donc le tabouret, c'est simplement parce que c'était un objet iconique, celui sur lequel on est assis en train de boire la bière qui a permis de le fabriquer au bar. Enfin, je veux dire, c'est la définition même de l'économie circulaire. Le dessous de verre, c'est pareil, mais à plus petite échelle. Et l'horloge, on a simplement et logiquement utilisé les détails du tabouret à la verticale pour le transformer en fait en horloge. Bah, je pense qu'à un moment donné, quand on est sérieux, quand on dit qu'on va fabriquer des meubles à partir de la bière, on se dit que le mec, il est un peu fou, quoi. Par contre, quand on a commencé à voir tout le potentiel qu'il pouvait y avoir avec mes partenaires industriels que j'ai rencontrés un mois après avoir obtenu mon diplôme, on s'est dit, mais là, il y a tout un marché qui s'offre à nous et un marché qui fait sens, loin, loin de l'aspect marketing, parce que le mobilier brassé, c'est pas qu'un jeu de mots. C'est si le malt n'était pas brassé, on ne pourrait pas en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc en fait, ça a été un gros challenge, un gros défi. Les brasseurs étaient un peu curieux au début de savoir comment j'allais pouvoir faire ça, parce que techniquement, bah, ils se posaient pas trop la question. Les ébénistes à qui j'ai présenté ça, ou mes professeurs de design, étaient un peu là à se dire mais comment est-ce que tu veux faire ça? De toute façon, aujourd'hui, il y a des résines, il y a de l'inclusion dans du plastique, ou des choses qui, en fait, moi, m'intéressent pas du tout. Je voulais quelque chose de singulier, et du coup, c'est grâce au brassage que l'on a pu obtenir une matière à 98% naturel, avec seulement 2% de liant, qui lui est juste là pour assurer la durabilité du produit. Et si demain on peut devenir une alternative à de nombreuses ressources pétrochimiques ou même qui se raréfient, ça serait quand même chouette de pouvoir dire qu'un ébéniste a fait changer les choses à son niveau, quoi. Ce qui
qui me rend le plus fier dans ce projet, bah, c'est de me dire que je suis assis sur ce que je suis en train de boire. Vraiment, c'est de continuer à rigoler sur ce projet et sur ce process, parce qu'en France, rien que l'an dernier, on a consommé 2 milliards de litres, ce qui correspond à plus de 330 millions de potentiels tabourets. Je vais pas rentrer dans les détails au niveau calcul, mais en fait, l'avenir, il est là. Il est sur des résidus ou des déchets de production qui nous permettent de créer l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, penser des choses à partir des matières premières et même précieuses, c'est bien, mais c'est pas durable. Alors qu'aujourd'hui, penser à des matières qui, comme l'orge, peuvent se récolter parfois jusqu'à 2 fois par an, permettent d'obtenir quelque chose de totalement durable. En plus de pouvoir consommer un autre produit initialement prévu, j'allais dire dérivé, mais c'est pas le cas, parce que c'est la drèche qui est dérivée du brassage de la bière. Mais en fait, plus on brassera de bière, plus on pourra faire des meubles et plus on pourra sauver l'environnement. Eh ben vous allez voir qu'elle va devenir une grande plante grimpante et volubile. Et c'est pas n'importe quelle plante, figure-toi. J'ai mis du temps à le comprendre. Pileostigia viburnoides. J'arrive en jardinerie, je vois Guillaume, le garçon qui me vend les plantes. Et il me dit, je lui dis, mais attends, Guillaume Lastar. Guillaume Lastar, voilà, que tout le monde connaît. Dis-moi, cette plante-là, c'est Hydrangea semani. En plus, c'est écrit sur l'étiquette Hydrangea grimpant. Oui. Puis on te la fait pas, toi. Non, on me la fait pas. Tu vois, le mec qui la ramène en jardinerie, qui dit ouais, mais là tu m'embrouilles, t'essaies de me vendre une plante pour une autre, c'est pas son nom. Hydrangea grimpant, c'est soit Hydrangea petiolaris, soit Hydrangea semani. Et évidemment, bon, je le crois, j'achète la plante, je me renseigne. Ah, donc il est sûr de lui. Et bah ouais, puis il a raison. Ah bah oui, là, bah tout de voilà. Même. Hein. Publiquement, bah sinon, il reconnaît. Sinon, j'aurais pas dit son nom. Et en fait, Hydrangea semani, c'est une plante qui vient du Mexique. Celle-là, elle vient d'Asie. Semani, il va fleurir en été. Celui-là, il fleurit en septembre-octobre. Et c'est comme pas du tout pareil. Le feuillage est persistant, ils ont juste ça en commun. Et la résistance est plus, peut-être plus importante sur celui-là que sur l'autre. Il a l'avantage, celui-là, de pousser contre un mur frais, au nord, dans un sol qui soit acide, voire neutre, et sans plus de complications. Et à terme, il mesurera 6 mètres de hauteur. Tu as bien raison, c'est une plante qui va devenir grande et qui va faire 3 mètres d'envergure. En attendant, on va faire un trou, ajouter de la terre de bruyère pour que le sol soit légèrement acide et du compost pour lui donner à manger. Tu veux bien le dépoter ? Bien sûr ! Ben voilà, trop fastoche. Alors, c'est joli, c'est joli. Alors là, ce qui est important, c'est de coucher la plante contre le mur. D'accord, de pour la guider en fait. De façon à ce qu'ils comprennent que c'est là que ça se passe et qu'il faut qu'elle se cramponne le long du mur pour attaquer son ascension. Bien maintenant, un bon arrosage, cette plante aime les sols frais. J'arrive. Vas-y. Et il reste à l'ombre alors. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment une des rares plantes qui fleurissent au nord. Et donc, tu vois, au mois d'octobre, septembre-octobre, tout d'un coup, il va y avoir une espèce de nuage comme ça, de petites fleurs minuscules. Quelle couleur ? Crème un peu verdâtre. C'est d'une beauté incroyable. Ah. C'est léger comme ça. Le seul soin qu'il pourrait y avoir, c'est de le tailler en janvier, lorsque, si par hasard, il a oublié ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se cramponner au mur, et que ses branches s'éloignent un peu du mur. Elle risque de peser lourd et de tout déchirer. Donc on le rappelle à l'ordre. Donc on coupe. Tac, 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 tu coupes. Et on paille. Ah ben un petit peu de paillis pour que ça reste frais, bien sûr. Oui. Voilà. Alors cet hiver, peut-être que les factures d'électricité et de bois ont pesé, donc on va faire le point sur les isolations de maison. L'isolation, bien entendu, végétale. Lin, chanvre, copeaux de bois et miscanthus sont là pour vous servir. Le terme d'isolation végétale fait référence aux isolants constitués de matières telles que la paille, le chanvre, le bois. Si ceux d'origine minérale et synthétique restent de loin les plus employés en France, les isolants biosourcés font depuis quelques années une percée spectaculaire et dépasseraient actuellement 10% du marché. Là, pour isoler les murs, on a utilisé donc du copeau de bois mélangé avec de la chaux sur 10 cm d'épaisseur. On a essayé de mettre de la conscience dans nos choix, conscience environnementale. Donc on a privilégié les matériaux biosourcés,
Parce que c'est des matériaux renouvelables, parce que c'est des matériaux qui peuvent se recycler, et parce que aussi on a des filières courtes intéressantes dans la région. Et en termes de coûts, donc le copeau de bois, c'est de la récupération. C'est gratuit, on en a chez tous les menuisiers du coin. Alors ici, on retrouve un panel de différents isolants végétaux, à savoir lin, chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, du liège, du copeau de bois. Ici, on a de la terre, mais qui est fibrée au lin pour faire des enduits. Ces isolants ont des propriétés mécaniques un petit peu différentes qu'on va utiliser en fonction de notre bâtiment et de où on va les placer. Le liège, son gros avantage, c'est qu'il est imputrescible. Il résiste à l'eau, donc on va plutôt l'utiliser sur des dalles. Cet avantage peut devenir un inconvénient. Si on veut isoler une maison entièrement en liège, le fait d'être imputrescible, la migration d'humidité ne va plus du tout se faire entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça devient un inconvénient. Alors l'un des gros avantages des isolants végétaux, c'est par rapport aux rongeurs. Ça peut faire très peur aux gens, les rongeurs, en disant dans du végétal, les souris vont adorer s'y installer. Eh bien non, pas du tout, c'est vraiment une fausse idée. Si une souris rentre dans la ouate de cellulose, elle va se retrouver étouffée, en fait, par l'isolant. Dans la laine de bois, ben, y a rien à manger. Il risque de se retrouver étouffée dans les matières. C'est une matière qui est finalement agressive pour le rongeur et très confortable pour le poseur et pour les gens qui vont vivre dans cette atmosphère-là. Il y a des essais qui ont été faits il y a 50 ans, qui ont été démontés aujourd'hui, et on va retrouver notre matière première comme si on l'avait posée hier. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de rongeurs dedans, la matière est très très stable. Donc on a une durée de vie très très grande sur cette matière. Et elle est recyclable à 100%. Une fois qu'on démonte un bâtiment, quand sa durée de vie est terminée, on peut le recycler. On peut le recycler soit en paillage, tout simplement, où on la retransforme en énergie de chauffage. Le recyclage et le circuit court sont des éléments importants dans la filière des isolants végétaux, afin de réduire au maximum l'empreinte carbone de la maison. Ainsi, chaque région s'adapte à sa production locale. C'est aussi le cas du miscanthus, une plante graminée originaire d'Asie, qui depuis 13 ans s'implante un peu partout en France. Cette plante regorge de qualité par sa culture très écologique. Le miscanthus, c'est une des seules cultures qui est une culture pérenne. Quand on parle de chanvre, de lin, de tous ces végétaux qui servent en isolant, leurs performances techniques avec le miscanthus sont relativement proches. Ce qui diffère surtout, c'est leur mode de culture. Le miscanthus, il n'y a pas d'intrants dans son mode de culture. Ça a un rendement énergétique très intéressant parce qu'on n'utilise pas d'énergie pour le produire. Quand on a commencé à cultiver le miscanthus en France il y a 13 ans, c'était d'abord un peu sur le modèle anglais pour produire de l'énergie, donc l'utiliser en biocombustible. Et donc l'utilisation en isolant végétaux, ça doit faire, je pense, 7-8 ans qu'on commence à en parler et que le sujet se développe progressivement. Contrairement aux autres isolants végétaux déjà certifiés, le miscanthus en est au stade du développement. Mais il est déjà employé dans certaines autoconstructions. Aujourd'hui, il y a quelques maisons qui sont isolées en miscanthus en France, peut-être entre 5 et 10. Mais donc ça, c'est une méthode pour isoler la maison. Mais on peut aussi utiliser des mélanges chaud-miscanthus, comme le chaud-chanvre. Là, on a quelque chose qui est très efficace parce que comme il n'y a pas de mélange avec la chaux, on a un matériau qui est très très isolant et il n'y a aucune transformation. Mais on peut utiliser le miscanthus de la même manière que les mélanges chaux-chanvre. Donc là, on utilise la chaux comme liant et ensuite on utilise le miscanthus en isolant. Et il y en a aussi beaucoup qui commencent à utiliser le miscanthus en enduit pour apporter un matériel végétal sur leur mur. Donc là, cette personne qui a construit sa maison en bois miscanthus de cette manière-là, aujourd'hui, elle utilise une demi-stère de bois par an pour chauffer. Mais autant dire qu'en fait, elle n'a pas besoin d'énergie supplémentaire. Elle a
Elle utilise son serre de bois plus presque pour l'ambiance. Elle n'a pas besoin d'énergie parce que sa maison est passive. Une maison passive, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y ajouter de l'énergie. Les humains à l'intérieur apportent suffisamment de chaleur et comme c'est très isolé, l'énergie ne sort pas de la maison, elle reste à l'intérieur grâce à cette forte isolation et donc on n'a pas besoin d'y apporter d'énergie supplémentaire, que ce soit électrique, etc. Iscanthus, il a de l'avenir en isolant végétaux parce que on est sur aujourd'hui de plus en plus de gens veulent avoir une maison moins dépendante des énergies fossiles et ils veulent aussi que les matériaux qu'ils utilisent aient une empreinte carbone faible parce que c'est une réflexion globale. Donc le Miscanthus répond bien à ça. En isolant sa maison en Miscanthus, on consomme plus d'énergie fossile et pour produire le Miscanthus qui est dans les murs, on a utilisé très peu d'intrants et donc l'empreinte écologique de la maison est d'autant plus faible. Avec la nouvelle réglementation 2020 qui vise à engager les constructeurs et artisans à concevoir des bâtiments à énergie positive, la production d'isolants végétaux risque de croître et de démontrer au plus grand nombre leur efficacité déjà pleinement reconnue. Ne ménage pas son dos pour la rhubarbe. Exactement. Parce que la rhubarbe, vois-tu, je trouve ça important, essentiel dans le jardin. Sauf qu'ici, on n'est pas dans le jardin. Non, on est au bord de la route, Stéphane. Ben oui, on est au bord de la route, mais il n'empêche que autrefois, dans un vieux jardin, un jardin abandonné depuis très très longtemps, j'ai vu des rhubarbes, une rhubarbe verte, dont je trouvais les feuillages magnifiques. Donc je les ai installées ici, une, deux, trois, quatre, cinq. Et lorsque je reviens d'une semaine de travail, tu vois, et que c'est par ici que j'arrive, je vois la maison, le soleil qui se couche en face, la lumière dans les feuilles du rhubarbe, c'est d'une beauté, c'est incroyable. Retour maison, youpi. Ces rhubarbes-là, les rhubarbes vertes, sont moins savoureuses que celles qui ont été créées plus tard. Et pour les manger, il faudrait les couvrir avec une cloche opaque. Les Anglais font ça. Mm-hmm. Ils ont des cloches en terre. Des énormes cloches, alors, parce que c'est énorme, ça. C'est super beau. Ça. C'est long, c'est haut comme ça, tu vois. C'est une cloche en terre, c'est haut comme ça. Oui, c'est hyper chic. Je vois bien. Et la plante développe ses pétioles comme ça, qui sont blanchis et pour le coup, beaucoup plus savoureux. Bon, toi, ici, t'as pas trouvé les cloches qui... Ouais, j'ai pas commencé à mettre des cloches sur le bord de la route. J'imagine le premier qui passe, il part avec les cloches. Non, c'est pas ça. Donc, j'ai décidé de planter une rhubarbe, genre Victoria, parce que c'est une variété très, très bonne, ou une autre avec des pétioles rouges, qui seront beaucoup plus savoureux et que nous pourrons récolter le temps venu. Puis, si quelqu'un a envie de prendre deux bâtons de rhubarbe, ma foi, ce sera pas bien c'est grave. Pas très grave. Donc, pour ce faire, oui... Pour ce faire, j'imagine qu'il faut de la place. Parce que la rhubarbe, c'est très haut. Exactement. La rhubarbe peut faire des feuilles à peu près d'1,50 m, c'est ça qui est beau, ouais. Et de hauteur. Donc, il faut laisser entre 1,50 m entre la plante et la rhubarbe voisine. Celle-ci, si jamais elle devenait trop importante, j'en couperais certains segments, ouais. De façon à ce qu'elle ne s'en vienne pas recouvrir celle-là. C'est à la saison qu'on peut faire ça. Et là, je pense que cette rhubarbe rouge-là, elle va être belle, contente dans cet endroit. Donc, pour qu'elle s'y plaise encore plus, nous allons ajouter 2 seaux de compost à la terre extraite, ouais. Et 1/2 seau de fumure, parce que vois-tu... La rhubarbe est gourmande. La rhubarbe est gourmande. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle ait de quoi se sustenter pendant plusieurs années. Mais surtout, les fossés arrivent là. Puis tout d'un coup, il n'y a plus de fossés. Donc l'eau déborde et fait que le sol est frais constamment. Ah oui. Mais jamais inondé. C'est total gadou. Je me souviens, une fois, je suis venue, c'était quand même, excuse-moi, hein, pas loin d'être inondé quand même. En janvier. Ah oui. En janvier. Mais si ton pied de rhubarbe reste dans une terre où l'eau va stagner, mm-hmm. Il ne manquera pas de pourrir. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit frais. Et drainé. Drainé relativement, mais pas plus que ça en tout cas. Si on mettait en place là. Et la rhubarbe, c'est pour quand ? Ce sera peut-être qu'en septembre, on va pouvoir ramasser quelques feuilles, quelques pétioles. Alors juste un truc, hein, les pétioles sont délicieux, les feuilles sont toxiques, sauf que les feuilles sont idéales pour faire un purin qui est riche en calcium. Donc ça, en engrais foliaire, c'est formidable pour les plantes. Et puis éventuellement, ça peut tuer les pucerons qui seraient sur une plante. C'est vrai. Ça aussi. Donc vive la rhubarbe et je pense que c'est vraiment bien d'en avoir dans le jardin.
Double rencontre pour Stéphane à présent. Nous allons rencontrer Jean-Toby, un collectionneur de camélias qui a transposé ses précieux arbustes à Gaujac, dans les Landes, parce que le climat était parfait pour ces végétaux. Et après, Stéphane a rencontré le responsable des cultures de la ferme à côté. Donc si vous aimez les camélias, vous allez adorer ce reportage. Dans le département des Landes, le château de Gaujac profite du climat du territoire de la Chalosse, idéal pour la culture des camélias. C'est ici qu'a débuté une belle histoire entre un pépiniériste spécialisé dans ce genre de plantes et une grande maison de couture et de cosmétiques. Jean, le camélia a d'abord été une affaire nantaise. Alors, en fait, effectivement, Henri Guichard a fondé la pépinière. Il y a d'ailleurs une rue à Nantes qui porte son nom, en 1860. Et le premier catalogue, en 1864, fait état de 264 camélias différents, à des fins de conservation quand même. Donc ça, c'est la période Guichard. Mes parents ont repris la pépinière en 1954. Et là, il y a eu, deux acres en même temps. Du côté de mon père, plutôt le côté, semi-industriel des choses, qui a été poussé au paroxysme jusqu'à les années 80, où on faisait à peu près 1 million de camélias par an. Et puis, du côté de ma mère, plutôt le côté botanique, le côté collection, sauvegarde, hybridation, sélection, et donc tous ces contacts avec les scientifiques du monde entier. Donc, on a repris la pépinière, nous, de 1997 à 2007, où on a été exproprié. Donc, il a fallu faire des choix, et dans le choix que nous avons fait, eh bien, on a décidé de mettre toute la collection historique, tout le cœur, en fait, du métier, ici, à Gaujac. Alors, pourquoi à Gaujac? Pourquoi à Gaujac? Ici, quand on s'intéresse aux camélias, eh bien, on a un microclimat qui permet des choses tout à fait intéressantes. Alors, en grande ligne, quand on fait le climatogramme sur des moyennes sur 30 ans, eh bien, on a exactement comme aujourd'hui, tu vois, on a des vents à 0 km à l'heure, 60% du temps de l'année. Je ne dis pas que les tempêtes n'existent pas, je dis que 60% du temps, la moyenne, c'est 0. Ensuite, on a une hygrométrie qui est répartie sur les 4 saisons. Alors, il pleut plus en hiver qu'en été, mais quand même, il pleut aussi l'été. Et donc, suffisamment pour ne pas avoir à arroser. Alors, quand on a un jardin et qu'on n'arrose pas, c'est quand même sympa aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'entre le climat et le sol, on a une moyenne qui permet très facilement d'avoir des camélias ici, puisque si on compare avec le pays d'origine, c'est quasiment similaire. Jean, je pense qu'il est important de se rappeler en quoi la collection, c'est important, mais à condition qu'il y ait une logique à ça. Et ici, c'est vraiment des camélias dont il s'agit en grande quantité. Quel est l'intérêt de ça? Alors, quand on a un genre très étendu comme le camélia, le fait d'avoir le maximum d'espèces botaniques, espèces sauvages, donc il y a près de 75 espèces botaniques de camélia ici, agrémentées des cultivars qui sont issus de ces espèces-là, on a à peu près ici 2000 taxons conservés en camélia. Alors, si c'est juste avoir pour avoir, bah, pourquoi pas, c'est bien pour les oiseaux, les insectes et compagnie. Mais le fait de bien étudier un genre comme le camélia, ça a pu nous permettre, par exemple, de comprendre que ce n'est pas l'alimentation qui compte, c'est l'équilibre entre les éléments. Et ça, c'est une grande nouveauté, parce que souvent, on nous dit, pour telle plante, il faut tant d'azote, tant de phosphore, par exemple. Puis nous, on dit non, finalement. Ce qui compte, c'est la proportion entre les éléments, y compris les micro-éléments. Et ça, ça change tout. On peut avoir un sol très pauvre, et avec un jardin extraordinaire, parce que l'équilibre entre les éléments sera parfait. Ensuite, il est très important de conserver une collection végétale, le règne végétal, parce que quand on étudie en profondeur, on trouve toujours une application, y compris économique, à ce développement. Il y a même, Stéphane, une étude anglaise, moi que j'aime beaucoup, parce qu'elle indique que 90% des plantes qui sont étudiées sont retenues parce qu'on trouve une molécule, un développement économique particulier. Ça veut dire que si on débloque les fonds nécessaires pour étudier le règne végétal, on va avoir un foisonnement de découvertes absolument phénoménal. Jean, nous sommes devant des camélias qui sont plus qu'adultes, avec des jeunes gens qui sont en train de cueillir les fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une jolie histoire. Ouais. En 1997, je reçois un coup de fil d'une personne d'une maison de cosmétiques bien connue qui me dit « Est-ce que vous seriez intéressé d'ouvrir vos collections aux recherches pour voir si oui ou non il y a des molécules qui seraient intéressantes pour faire des cosmétiques, etc. » Et donc, j'ai dit « Oui, bien sûr ». Donc, première étape, 1998, où on envoie des feuilles, des fleurs, des bourgeons de telle variété, telle autre, etc. Enfin bon, ça a été une histoire, je ne vais pas ces détails, mais c'est absolument passionnant. Alors, par exemple, si on prend Camélia alba plena, eh bien, à partir de 2005, des premières molécules ont été trouvées et on a commencé à monter donc une culture. Donc, chaque année, on récolte à peu près 500 à 600 kilos, parce qu'il faut à peu près 2200 fleurs pour faire à peu près 1 kilo d'extrait pour les cosmétiques. En tout, on a 2200 pieds de camélia voués à cette
premières cultures. Donc c'est une belle aventure. Et la recherche fut fructueuse, révélant dans le camélia alba plena la présence de molécules d'un intérêt évident pour la cosmétique, incitant la maison prestigieuse à établir juste à côté sa propre ferme au camélia. Ce qui est fou, c'est de penser qu'on est parti du camélia de Mademoiselle Chanel, qui aujourd'hui est utilisé en cosmétique. Et à présent, la maison de cosmétique a décidé de mettre en culture des camélias. Tout à fait. Mais d'une manière presque expérimentale. Bah, tout à fait, on est en plein dans l'expérimentation parce qu'ici, on est sur des nouvelles cultures qui n'ont jamais été tentées en Europe à cette échelle. Donc la difficulté, c'est de passer du stade de 2 ou 3 plants en collection au stade grande culture avec un principe d'agroécologie qui est relativement simple. Pas d'engrais, pas de traitement, pas d'OGM, mais surtout respecter au maximum le biotope environnant. Mais on va rajouter en plus là-dessus de l'agroforesterie en mettant des arbres de tailles différentes. Et j'aimerais bien arriver au principe d'une forêt jardinée avec des essences multiples dans la même parcelle et avec des strates de hauteur différentes qui ira jusqu'au stade petit buisson et plante couvre-sol. Donc on part du sol avec une biodiversité importante de façon à ce qu'il y ait un maximum de plantes vivaces, de trèfles, même de plantes qu'on ne voudrait pas voir. Et en fait, cette expérimentation-là, elle est amenée à servir de modèle pour un futur cahier des charges. Ben, ça serait le vrai rêve, c'est non pas d'avoir notre propre culture, mais d'essaimer le message et de faire participer les agriculteurs environnants. Et une fois qu'une culture sera réellement au point, on pourra leur proposer ben, des cultures avec un contrat à la clé, mais qui incitera l'agriculteur à rentrer dans un cahier des charges qui respecte l'environnement, la diversité en place. Et en échange de ça, il aura une garantie de revenus réguliers et de diversification qui ne sera pas inintéressante dans la région. Les plantes ne cesseront jamais de nous surprendre en questionnant le potentiel de leurs vertus. Dans ce territoire de la Chalosse, des bois fleuris pousseront bientôt sur les collines. La beauté n'a pas de limite. La plante de la semaine est magnifique. Un seul mot. Oh oui, en sublime en deux mots. Ah oui, c'est vrai, ça marche aussi. Non, vraiment, une beauté, une beauté. C'est très, très beau. Magnolia stellata water lily. C'est une plante de la famille des Magnoliacées. Elle est d'origine horticole, bien que l'espèce soit originaire du Japon. C'est un arbuste au feuillage caduc qui va fleurir du mois de mars au mois d'avril. C'est un des plus précoces. Il va mesurer cet arbuste 2,50 m de hauteur à maturité. Pour autant d'envergure, c'est pas très grand. Bah non, on avait envie de plus, nous. Ah oui, mais c'est dense, tu vois. On peut pas tout avoir. Et il y a d'autres magnolias hein, qui deviennent beaucoup plus grands. On prendra ceux-là aussi. Et l'exposition, c'est plein soleil ou mi-ombre. Le soleil lui convient dans un sol qui soit riche en humus, mais consistant. Dans le sable, tout file et il ne retient rien et il dépérit. D'accord. Une rusticité à moins 15 degrés. Et voilà, moi j'adore cette plante parce que tout d'un coup, c'est de la dentelle, c'est magnifique. C'est... Et ces bourgeons tout velus comme ça, et d'un coup, ils s'ouvrent et paf ! Oui, c'est beau pendant tout l'hiver, c'est très graphique, tu vois. Tu as la branche toute nue et juste ces petits bourgeons comme ça, de velours. Elle annonce le printemps. Bah oui, avec une floraison en mars-avril, c'est merveilleux puisque c'est une des plus précoces. Ça fait du bien. Magnolia stellata water lily. On reprend le fil de notre pas de panique, nous retournons chez Laura et Axel. Il y a une pente à 60% à aménager. Alors, esthétiquement, on est d'accord, il faut faire quelque chose. Mais techniquement, comment Stéphane va-t-il s'en sortir? Nous sommes retournés 1 an et demi après pour voir si tu avais réussi à planter ce qu'il fallait à la bonne place. Stéphane a rejoint Axel et Laura dans leur jardin, une sorte de duplex composé de 2 terrasses, reliées par un talus très abrupt, recouvert d'une bâche de plastique bien moche qu'ils veulent voir disparaître. Le dessin propose de la remplacer par des plantes capables de retenir la pente en beauté. Voilà, est-ce que ça vous plaît? C'est énorme. C'est énorme! Voilà. Ah. Bah, on commence à voir un peu la terre. Ouais. Très bien, donc on va enlever toutes les bâches. Ensuite, à la limite entre l'herbe et la terre, on plantera les arbustes. Okay. Et puis tout doucement, en partant du haut, on descendra en mettant tous les arbustes et toutes les plantes au fur et à mesure. Super. Voilà, à vos genoux. La bâche est retirée d'un seul coup, sans abîmer les plantes déjà installées.
le Fautinia monte sur la terrasse supérieure. Il est rejoint par une série d'arbustes, tous différents. La première fosse est creusée, un rosier banksia est planté. Ces lianes très poussantes sont conduites sur les ganivelles, elles pourront bientôt les recouvrir complètement. À suivre, un cognassier du Japon aux fleurs blanches, double, un physiocarpus au feuillage doré, un oranger du Mexique, un camélia champêtre et le plus méditerranéen de tous, un pistachier lentisque. La ramure du Fautinia sur tige est palissée sur une structure de métal. Quelques coups de sécateur l'aident à prendre la marche à suivre. Un trachélospermum jasminoïde est installé à côté d'un petit arbre qui deviendra grand, mais pas trop. Donc voilà le Magnolia grandiflora dont nous avions parlé. L'idée, c'est qu'il soit palissé le long de ce mur, jusqu'à une certaine hauteur, bien sûr, et qu'il ne vienne pas trop en avant. Ce qui veut dire que tout ce qui viendrait trop en avant est taillé au-dessus d'une feuille. Ici, il y a un bourgeon. D'accord. Donc ça va continuer de pousser, mais ça va se densifier. Donc je coupe ici. Ensuite, ces branches-là, on a envie qu'elles s'étalent. Et on peut même les aider. Si à un moment, quand il aura grandi, tu trouves qu'il n'est pas assez obéissant, tu peux utiliser des tuteurs comme ça, les fixer dans l'arbre. D'accord. Et puis ces branches qui sont très très souples, tu les conduis dessus. Très bien. Et puis quand elles sont rigides, tu enlèves le tuteur et tu passes à l'étage supérieur. Et donc du coup, on peut lui faire prendre la forme qu'on veut. Et tu peux lui donner la forme que tu veux, effectivement. Il faudra simplement décider de l'arrêter en hauteur. Ouais. Oui. Et parce qu'après, tu ne sauras plus gérer la taille. Tu ne sauras plus comment y aller. Dans la pente, les fosses sont creusées. C'est plutôt acrobatique. Pour commencer, ce sont les petits arbustes qui sont installés. Un Pittosporum tobiranana, une spirée au feuillage lumineux comme de l'or, des genêts pour leur aspect flou et naturel, des plantes très différentes choisies dans un but bien particulier. Prendre la décision d'enlever la bâche avec une pente à 60%, c'est un peu zinzin. Donc la solution pour laquelle nous allons opter, c'est de se servir des plantes, des racines des plantes, pour fixer cette butte. Dans un premier temps, on va utiliser des plantes comme cette fougère, Mathiusia structuropteris, qu'on appelle aussi fougère d'Allemagne, et qui donc a des petites racines comme ça, et ressort là, ressort là. Et ça fait qu'à terme, il y a une sorte de réseau de racines qui tient le sol. On a aussi l'ophiopogon, qui fait la même chose. Parce que quand il n'est pas dans un pot, oui, tout ça, là, ça ressort et ça court partout. On a encore le sarcococca, qui lui aussi, il a une propension à s'en aller courir partout. Mais ça, ça tient la terre. Et c'est très important. Et puis l'autre stratégie, c'est de couvrir le sol. D'avoir des tiges superficielles qui s'enracinent et qui vont faire des nappes de plantes. Et ça, c'est l'ajuga et même le Lysimachia numillaria. Auréa dans ce cas-ci. Voilà, donc avec tout ça, je pense que d'ici l'hiver, la butte sera plutôt fixée. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les arbustes qui sont là vont faire des racines, oui, et elles aussi mettre tout en réseau et fixer le talus. Encore quelques arbustes, un cotonnet aster, une soyeuse Eremophila nivea, si douce, si grise, et un érable japonais au feuillage pourpre. Du bleu avec une agapanthe, des lavandes et une cascade de romarin. Stéphane glisse un tapis de feutre sous les marches de l'escalier qui ainsi sera mieux intégré à l'ensemble. Dans un pot percé sur le côté, les billes d'argile sont recouvertes de terre de bruyère, tout à fait adaptées à la plantation d'un pieris Forest Flame au jeune feuillage multicolore. Et déjà, voici venir les lanternes. Laura, Axel, s'il vous plaît. Alors, c'est génial. Je ne m'attendais pas à autant de couleurs, de variétés différentes. C'est vraiment incroyable. Ça change la perspective d'ici, quoi. C'est vraiment un nouveau jardin. C'est super. Même l'olivier qui était là, il prend une autre dimension ici. Donc, c'est top. Quand je revois les plantes qui étaient là au début, elles étaient trois. Et aujourd'hui, elles sont 1000. Elles sont parmi la foule. Ça, ouais. Donc, c'est plus le même paysage depuis le salon. Hein. Ah non, ça change complètement de perspective. C'est assez incroyable. On voyait une bâche. Maintenant, on voit un vrai jardin, déjà. Et puis là, on se sent beaucoup plus à l'aise. On a vraiment envie de rester dans le jardin et de jardiner. C'est
Ah ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Merci. Alors, bisous. Merci beaucoup, Stéphane. C'était super. Merci beaucoup. En quelques heures, la vilaine bâche de plastique, unique horizon offert au salon, a laissé place à un paysage coloré et fleuri. Le choix des plantes et la force de leurs racines participent au pari qui consiste à stabiliser une pente d'environ 60%, autrement dit extrême. L'espace planté d'arbustes est devenu plus enveloppant. Une terrasse en haut pour le matin, une autre en bas pour le soir. Au milieu d'une nouvelle nature, la vie ici va être belle. En un temps record, 18 mois, comment les végétaux se sont-ils accrochés à la pente pour mieux la maintenir? Waouh! Dis-moi Laura, ça fait pas si longtemps, mais c'est impressionnant. Ouais, ça a magnifiquement bien poussé puisque ça fait un an et demi. Et tout s'est à peu près bien accroché sur la butte. C'est une palette de couleurs qui est vraiment top. En plus, là, on a l'automne, mais on a eu le printemps pendant le confinement et c'était des couleurs partout. C'était assez incroyable, on en a bien profité. C'est bien! Et donc, vous avez utilisé votre joker en installant un arrosage automatique. Oh ouais, en fait, il fait quand même très chaud l'été et bon, on s'absente de longues semaines en août, etc. Et ça aurait été vraiment dommage de laisser partir tout ça. Rollo. Voilà, donc on a installé un goutte-à-goutte qui a permis de maintenir tout ça bien arrosé, bien vert. C'est super. En fait, tu vois, on a planté des choses qui étaient plutôt pour l'ombre, des choses qui étaient plutôt pour le soleil. Ce que je constate, c'est que c'est les plantes de mi-ombre ou d'ombre hein, qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que les autres. Ouais, et pour mieux profiter de tout ça... La terrasse, oui. Et c'est Axel, mon compagnon, et mon papa qui est venu l'aider pour poser la terrasse. C'était juste après votre passage. Et on est très, très, très contents d'avoir pu finir ça avec une terrasse en bois. Ben moi, je suis très content d'avoir créé de la dynamique avec l'arrivée de cette terrasse, le fait que vous en profitiez plus de ce jardin depuis l'intérieur et depuis l'espace lui-même. Bravo, c'est parfait. Merci encore, merci Stéphane et toute l'équipe. C'est formidable de constater comment en 18 mois, les plantes ont entièrement investi la pente pour y installer une belle nature, généreuse à admirer depuis l'intérieur du salon et sur la nouvelle terrasse. Il y a du bonheur dans ce jardin et cela se voit. Bravo Laura et Axel. Mais Stéphane, on voulait voir le bébé. Non, je plaisante. Raté ! Bien entendu, on voulait voir le résultat. Bravo Stéphane. Merci. Non, c'est formidable. En un an et demi, c'est incroyable. Comme tout a été consolidé, comme la bâche a disparu. Je suis content. Ouais, c'est une forêt. À présent, si vous aussi, vous avez envie de postuler avec ou sans bébé, c'est très simple. Vous pianotez France.tv, vous pourrez vous inscrire et revoir l'émission. Et on passe au livre. Vous le savez, on aime bien prendre des nouvelles des gens que l'on a aperçus dans Silence, ça pousse. Et là, c'est Julie Bernier que l'on avait découvert dans Jeune Pousse, Je fais appel à ta mémoire, Stéphane, qui sort un nouveau livre. Le premier avait cartonné en librairie. Là, c'est son deuxième tome. Ça s'appelle Permaculture. C'est aux éditions Solar. Parce qu'en fait, Julie, elle a déménagé et elle s'est lancée dans un projet fou, un projet de potager qu'elle va bien entendu faire en permaculture. Et donc, à l'intérieur de ce livre, vous allez avoir tous ses conseils. Comme d'habitude, c'est extrêmement bien fait. Beaucoup, beaucoup d'informations, des graphiques qui vous expliquent exactement ce que vous devez faire, des petits tutos aussi pour connaître, par exemple, l'acidité de votre sol et bien entendu, toutes les questions que vous vous posez sur les associés. J'ai résumé très vite ce livre, mais vous l'avez compris, c'est un très bon outil pour vous aider si vous avez envie de vous lancer. Pour ma part, un livre de Pierre Niesman avec des photos de Brigitte et Philippe Perdereau. Mon jardin s'adapte au changement climatique, anticipé, repensé et aménagé. Tout un programme aux éditions de La Chaux et Niesley. D'abord, les principes. Pourquoi est-ce que les endroits sont comme ils sont? Pourquoi est-ce que les choses qui y poussent, y poussent? Et comment, dans les endroits secs, les plantes s'adaptent de manière à pouvoir réinvestir tout cela dans ton jardin qui n'arrête pas d'évoluer dans la mesure où les périodes sont de plus en plus excessives en termes de température, de pluie et surtout de sécheresse. Un livre très instructif avec évidemment toutes les plantes qui vont pouvoir t'accompagner dans ce nouveau jardin. Décidément, cette semaine, nous vous avons choisi des livres militants. Alors, il est temps quand même de se laisser et on vous donne rendez-vous très prochainement. Alors, à la semaine prochaine.